sings. Raggedy music to the cattle as he swings. Back and forward in his saddle on a horse. Daddy seemed to pay the gator. There was such a funny meter to the roar of his repeater. How it runs. But when they hear the fellas gun, because the western folks all know he's a highfalutin', hootin', tootin' son of a gun from Arizona. Ragtime Cowboy Joe. Out in Arizona where the bad men are, the only thing to guide you is an evening star. The roughest, toughest man by far was Ragtime Cowboy Joe. Bonjour les survivants, les goûts, les irradiés, les rétrobots, ou qui que vous soyez, et bienvenue dans notre grand show de l'été, question pour des boulons. Profitez d'un spectacle exceptionnel avec des participants extraordinaires qui vont tenter de remporter aujourd'hui le plus grand jeu du Morave, un séjour exceptionnel dans le célèbre parc à thème du Nuka World. Qui saura répondre avec justesse aux questions les plus élémentaires après la grande catastrophe qui a ravagé le monde en 2077? Vous le saurez en soutenant nos candidats. En direct de Freeside à New Vegas, l'émission est retransmise en direct sur toutes les bonnes ondes en sélectionnant Radio New Vegas. Et pour les plus chanceux d'entre vous, découvrez ce show exceptionnel sur votre ancien poste de télévision, aussi vétuste soit-il. Par ailleurs, je vous rappelle que l'Atomic Wangler est ouvert 7 jours sur 7, 24h sur 24, dans une ambiance chaleureuse et conviviale, en compagnie de notre robot Fisto, qui aura cœur de vous faire découvrir nos très nombreuses activités. Mais sans plus attendre, maintenant, nos candidats. La Zérotron, mademoiselle, messieurs, bonjour et bienvenue à Question pour des boulons, le grand jeu de l'été et du Morave. Je vous rappelle que notre jeu consiste à répondre à 5 questions, oui, 5 questions, pour tester vos connaissances sur votre univers favori des retombées radioactives. Westerland Messia, superviseur de l'abri du collectionneur Fallout, vous êtes à la tête de milliers de résidents aux achats compulsifs et contagieux, hein. En ce qui concerne tous les objets, aussi vétustes soient-ils, de l'Ancien Monde. Par ailleurs, vous avez récemment rejoint la Légion de César en tant que Vulpes Inculta. Je vous expliquerai un peu plus tard dans l'émission pourquoi ce choix. La Mulasse, une artiste aux multiples talents. Exploratrice des terres dévastées qui a récemment posé ses pinceaux dans notre belle contrée, hein, à la recherche de nouveaux modèles parmi la faune du Morave. Nukanova, la Zérotron est cosplayeuse émérite des mondes de l'imaginaire. Elle parcourt actuellement la Virginie occidentale en quête d'aventures et de rencontres musclées contre ses futurs adversaires. Nem, survivant passionné de jeux vidéo et de jeux de rôle, vous avez créé récemment le jeu de cartes Fallout Tragique. Un jeu de cartes d'affrontement dans lequel deux joueurs ou plus s'affrontent dans une partie en temps réel. Et où tous les coups sont permis. Kevin, ancien résident de l'abri 101, vous avez rejoint les rangs de l'abri du collectionneur Fallout pour assouvir votre passion des objets vintage des terres dévastées de l'ancienne Amérique. Vous êtes également un artiste passionné et vous créez des dioramas de toute beauté. Et maintenant, très chers participants, attention, préparez-vous pour notre grand jeu de l'été. Première question. De quel jeu des années 1980 Fallout est-il une suite non officielle? 1. Superb Stealth, 2. Wasteland, 3. Pac-Man, 4. Mad Max The Game. Cette époque-là, je n'étais pas née. Il y a un piège parce qu'il y en a deux, c'est du post-apo. Du coup, j'hésite entre Pac-Man et Bartels. Wasteland, évidemment. Je dirais Wasteland. Mais je pense que c'est Wasteland. Wasteland. Ça, c'est facile. Réponse numéro 2, évidemment. Bravo à tous et c'est une bonne réponse! Deuxième question. Quelle est la devise de tous les jeux Fallout? 1. Avec Trou César. 2. May the Force be with you. 3. I'll be back. 4. War. War never changes. Thank you.
La guerre. La guerre ne change jamais. La guerre ne meurt jamais. Ah, j'hésite. J'aime bien la version en anglais. War never changes. En mode biker avec ses copains des Sons of Anarchy. Alors, ça, c'est autre chose. Doublé par l'excellent acteur qui est Ron Perlman. Félicitations, c'est encore une bonne réponse. Je vois que nous avons affaire aujourd'hui à des joueurs aguerris hein, qui sont prêts à tout pour emporter ce séjour de rêve dans le célèbre parc à thème du Nuka World. Troisième question. Quelle catastrophe a mis fin au monde en 2077? 1. Une guerre nucléaire? 2. Le réchauffement climatique? 3. L'avènement d'une super IA super méchante? 4. Une invasion de zombies? Alors, étant donné que les 4 sont quand même vachement probables... Peut-être une invasion de zombies. Alors, il y a un piège dans ta question. Parce que dans les tout premiers Fallout, une des théories, c'est que c'est une intelligence artificielle qui jouait aux échecs, qui un jour s'est dit « je m'ennuie un petit peu, et si je déclenchais la guerre ?» Non, la guerre nucléaire. Une guerre nucléaire. Que le 23 octobre 2077, la chute des bombes, sachant qu'une première bombe a été lancée auparavant sur Tel Aviv, ce qui lance les premiers conflits. Donc, mais la bonne réponse est l'hiver nucléaire, évidemment. S'il n'y avait pas eu la guerre nucléaire, il y aurait eu forcément eu l'une des trois autres. Plus le Canada annexé... par les États-Unis, la Chine qui envahit l'Alaska et l'Europe qui est déjà en guerre depuis un bout. Avant de continuer, je vous propose une petite page de publicité. Hungry? Thirsty? Horny? Wanna get lucky? Make a brief stop at the Atomic Wrangler. Where the booze is cheaper, the table's more friendly, and the women are just like the booze. Head on down to the Atomic Wrangler. Et nous voici de retour pour notre émission Question pour des boulons. Je vous rappelle que cette année, le prix à remporter est un séjour exceptionnel dans le parc à thème du Nuka World. Remis en fonction récemment par un mystérieux personnage à la tête des anciens gangs. De quoi assurer votre protection? Enfin, j'espère. Quatrième question. Quel studio n'a jamais travaillé sur la série Fallout? 1. CD Projekt Red. 2. Interplay. 3. Bethesda. 4. Obsidian. C'est pas très compliqué, je vais faire durer un peu le suspense. CD Projekt. CD Projekt Red? CD Projekt qui sont à l'origine de Cyberpunk, The Witcher. On se demande qu'est-ce que ça donnerait. Je suis le sorceleur du Westland. Oui, non, mais pourquoi pas. Hein, Mais non, jamais. Et c'est encore une bonne réponse, c'est extraordinaire! Félicitations à toutes et tous! Cinquième question. Comme la plupart des jeux de rôle, Fallout s'appuie sur un système de compétences et de caractéristiques. Comment s'appelle ce système? 1. Super. 2. Pixel. 3. Spécial. 4. Classique. Vous êtes spécial. Le spécial. Spécial. Pour la petite histoire, le nom original c'était basé sur le GURPS, qui était un système ouvert. Et le créateur du GURPS a dit « en fait, votre jeu, il est trop violent. J'ai pas envie d'être associé à ça. » Et donc, je crois que ça a dû, en une semaine ou deux semaines, l'équipe d'Interplay a créé le système spécial, voilà, qui est vraiment une idée extraordinaire. Pour terminer, très chers participants, je vous propose deux questions subsidiaires pour vous départager. Première question. Qu'est-ce qui apparaît derrière la combinaison du personnage principal de Fallout? 1. Son nom. 2. Le numéro de son abri anti-atomique. 3. Le nombre d'années qui lui reste à vivre. Ou 4. Le nom de son groupe de K-pop préféré. Ah, c'est difficile.
Alors, je connais un groupe de K-pop qui s'appelle 76. La K-pop, c'est bien. Non, c'est le numéro de son abri anti-atomique, Pierre. Bravo à nos candidats qui ont réussi l'exploit de répondre à cette question élémentaire. Tandis que d'autres ont apparemment subi un peu trop de rayons gamma. Question subsidiaire numéro 2. Combien de factions de Raiders existent-ils à Nuka World? Attention, chers participants, je vous rappelle que le prix à gagner est justement un séjour exceptionnel dans ce parc à thème de Nuka World, où tout fan rêve d'aller. C'est à vous! Pour de vrai, je sais pas, je sais plus. C'est 3, il me semble. Mais sans être certain. Il y a 3 factions, il y a la meute, les opérateurs et les disciples. Ah! La chance! Et c'est une bonne réponse simultanée de tous nos candidats qui remportent aujourd'hui ce séjour de rêve au célèbre parc à thème du Nuka World. Chers participants, merci d'avoir participé. Cher public, merci de votre fidélité. Et je vous invite maintenant à découvrir nos candidats à travers des interviews exclusives qui vous convaincront vous aussi de participer à notre prochaine émission en direct de la Sierra Madre. No time, no game, no escape. Le jeu dont vous êtes le héros. Alors, il y a encore une anecdote là-dessus. En vérité, pas dans tous les Fallout. Du coup, j'hésite un peu, quoi. C'est de la K-pop un peu spéciale. Around here and didn't have too much to say. No one dared to ask his business, no one dared to make a sleep. For the stranger there among them had a bigger run on his hip. Bigger run on his hip. Bigger run on his hip. Oh, he might have went on living, but he made one fatal sleep. When he tried to match the ranger with the bigger one on his knee. Ce programme vous était proposé par le Gomorrah. Au Gomorrah, vos secrets sont les nôtres.